C'est le temps de l'école, ça. Ça se passait à l'école. Et on était deux par banc, deux par deux. C'était le banc de deux places. Alors, et justement, l'aimé, là-bas, Romain Roussel, il était à côté de Gérard Chabrol. Ils étaient côte à côte. Et alors, quand il a ouvert son cahier, il a dit, oh, regarde, tu vois, regarde comment le curé, il fait bien. Il bénit bien, tu vois, il bénit comment ça, il a pris sa plume, son porte-plume. Et avec le porte-plume, il a ouvert le cahier, et le porte-plume, il jetait et il tournait les plages. Il dit, oh, tu vois, il a bien béni. Tu vois qu'il a béni comme il faut. Il a tout. Ce coup-ci, il n'a pas manqué. Alors, c'est triste. Elle arrive au moment après. Elle dit, allez, faites voir vos cahiers. Il parlait les mains de son cahier, c'était plein de tâches. Alors, vous allez attacher votre cahier, hein. Ce soir, vous portez le bonnet là, vous partez avec le bonnet là. Non, mais c'est pas moi, mais il faisait, non, c'est pas moi. Tu vois bien que c'est pas moi. C'est Gérard qui est à côté de moi. Non, je veux rien savoir, je veux rien savoir, moi. C'est votre cahier, vous portez avec le bonnet là, ce soir. Et le cahier est pendu derrière le dos. Et le soir, pendu. Et c'est triste, prend le bonnet là, lui met le bonnet là, et il part avec le cahier derrière le dos, pendu derrière le dos, et il va, et ça, donc tout dans le suivi là-bas. Il dit, qu'est-ce qu'il va me faire ce cahier? Quand il arrive à la rivière, il a dit, décroche-moi le cahier. Il a balancé le cahier dans la rivière, et le bonnet là, il a dit, la suisse maintenant, elle pourra venir chercher ce bonnet-là. Elle ne le trouvera plus. On a tellement fait des bêtises. Une fois, on avait préparé des boules de neige. On dit quand il passera, il y avait un petit vieux là, qui habitait là, juste à côté. On dit qu'elle va passer pour aller chercher à la chasse. On va préparer les boules de neige. Et justement, on n'avait pas pris toutes les boules de neige, le Guy, il vit encore, le Guy Roussel. Lui, le premier, paf, il a payé un peu la tête. Enfin, l'autre, il a gueulé. Je sais ce qu'il veut chose. Femme des pieds, oui, mais tu as, c'est le salaud. Oh, on faisait des bêtises. C'était des bêtises quand tu étais jeune. Et ouais, un par l'autre, à peu près. Des fois, c'était un par l'autre. Hein. Si on serait été seul, on l'aurait pas fait. C'était plusieurs. Quand on a échangé les chevaux, on a échangé de machines. Surtout plus au moins, on descendait en bas où on a échangé des tables, des écuries. On en prenait deux ici, on les montait deux chez l'autre. Ils attachaient l'eau. Là, il avait changé de couleur. J'en avais un blanc, nous, et un rouge. Rouge, il n'y est plus. Alors, j'y cherchais pas. Après, ils passaient tout le village pour chercher des chevaux. Les vieux avant nous, ils cherchaient l'heure. Il y avait une horloge, elle commençait la ronde. Il n'y avait pas de verre. Il n'y avait pas de verre. Tu pouvais changer l'heure comme tu voulais. Alors, ils cherchaient l'heure si c'était pour que les autres puissent jouer aux cartes. Ils ont passé la nuit à jouer aux cartes. Puis après, le jour arrivé. Le jour arrivé, mais pour les femmes arrivées. Femmes de sa gueule, dans le bistrot. Vous êtes malade, il faisait. Vous ne voyez pas que vous êtes malade, hein? Vous n'avez pas vu que les coqs ont chanté. Il commence à être lourd. On était plus engueulés. On a eu bougie de citrus, on a eu 4 ou 5. Un instituteur, pendant la guerre, qui était camouflé ici. On ne savait pas, c'était un résistant. Il faisait le maître d'école ici. Il était camouflé dans la résistance. Mais on ne le savait pas, hein.
On ne savait pas, c'est plus tard qu'on l'a su qui est passé. Il est passé dans le village, il est venu à la mairie. Et comme j'étais le maire à ce moment-là, le maire, il m'a dit, tu me reconnais pas? Mon cher, il dit non, je ne te reconnais pas du tout. Pourtant, je t'ai fait l'école. Et c'est là que mon père, il m'a expliqué. Il m'a dit, mais j'étais dans la résistance, mais quand la guerre était finie, j'étais versé dans la gendarmerie. Il a fini son temps dans la gendarmerie. Je trouve que c'est pas venu mieux. On est trop pollué, là, on est en train de faire. Toute la nature a disparu. Hein? Moi, je vois quand ça a tout disparu. Les oiseaux, ils te disent, on a mouru, on m'a dit, les oiseaux, mais qu'est-ce que c'est? Il y a trois, quatre. Mais avant, c'était des vols de pensions qu'il y avait. Vous avez vu les vols qu'il y avait? C'était des grands vols quand ils passaient devant le soleil. Ça faisait au moins. Vous vous rendez compte? C'était mille. Il n'y a plus rien. De rouge au gorge, tout ça, il n'y en a plus. Ça a disparu, ça. Le ratelier, le petit oiseau, là, on n'en voit plus non plus. La neige, il n'en tombe plus. Ah. C'est pas la neige qui a tombé, là, c'est pas la neige. Nous, il y avait quand même 30 ou 40 cm de neige, là. Oh, la neige, ça n'existe plus, tout ça. Il n'y a plus rien.